Bonsoir les amis du journal catalan, je suis à Elne et on assiste derrière nous, on est en plein spectacle son et lumière à Elne. Alors qu'est-ce que vous avez fait monsieur Yves Barniol, c'est le maire de la commune d'Elne. Vous avez, c'est magnifique ce que vous avez fait ce soir. Alors ce soir on a initié un premier projet qui est la fête antique. Alors ce projet est né d'une idée de... Alors, c'est pour annoncer la fête antique. C'est pour annoncer la fête antique qui aura lieu l'année prochaine. Mais ce projet est surtout pour mettre en valeur notre ville qui a une histoire et un patrimoine extraordinaire. Elle a, notre ville a une histoire de près de 27 siècles et j'aurais aimé faire partager l'histoire de notre ville à tous les Illibériens. Illibéris, voilà. C'est un mapping, on a assisté à un mapping, c'est-à-dire oui. Une projection de lumière, d'image sur... le bâtiment, c'est quoi qu'il y a sur la place de... Alors nous sommes ici au centre-ville, place de la République, et nous avons projeté ce mapping sur la salle Elena. La salle Elena qui est une salle classée qui date de 1901, qui est la salle où tous les Illibériens ont fêté quelque chose, si ce n'est des mariages, des festivités. Chaque année, on y faisait la fête du village auparavant. Voilà, donc c'est une salle que les Illibériens adorent et ils y sont très très attachés. Alors entre les projections, on a aussi des animations, des oui. Alors simplement, ce soir, nous avons trois projections qui durent 17-18 minutes. Et entre les projections, nous avons deux chorégraphies, un combat de gladiateurs et ensuite des danses antiques. Mais c'est simplement pour permettre l'attente entre les trois projections. L'an prochain, à Elne, nous avons une grande fête antique qui nous attend. Ça promet, quand on voit déjà l'annonce, ça a l'air bien sympathique. Ouais. Merci monsieur le maire. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci.